Allô? Allô Houston? Houston à la base? Bon, c'est bon, ça marche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant la pose d'imitation bois. Plein de nouvelles informations, plein de nouveaux sujets vont être abordés. Et puis en fin de vidéo, je vais vous faire un résumé des points clés pour réussir votre pose en imitation bois. Allez! Et on commence toujours par poser le primaire d'accrochage, puisque là c'est une colle que j'utilise avec primaire obligatoirement. Primaire, hein, ça va dépendre des marques, mais ça va être entre 3 et 6 heures de séchage, sachant qu'avec un ragréage, vu que c'est très poreux, ça a tendance à sécher un petit peu plus vite. On va aussi bien lire ce qu'ils nous ont mis sur les paquets. S'il y a des conseils de pose, parce que ça, il y en a beaucoup qui le mettent. Non, il n'y a rien. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de faire des jours au milieu de carreaux. C'est très déconseillé puisque chaque carreau a un galbe et on peut avoir des grosses imperfections après. Alors, ce qu'on fait aussi pour les vérifier, on les met face à face. Donc, émail contre émail. Venez voir, je vais vous montrer. Donc ici, je suis contre au niveau du centre, hein, vous voyez. Ici, on est contre. Hein. Donc là, c'est le derrière du carrelage. Et là, c'est le derrière aussi. Donc là, au centre du carrelage, je suis contre. Par contre, plus je vais sur les bords, vous voyez, et plus ça s'écarte un petit peu. Et pareil de l'autre côté. On va dire que par exemple si je me mets donc là je suis à peu près, je suis même pas au milieu du carrelage là. Ici je suis à fleur, c'est à dire que vraiment là ils sont l'un contre l'autre là. Là vraiment le bord, aucun problème, aucune différence. Par contre au milieu, vous voyez là le décroché là. Plus je vais faire des décalages qui vont être un peu moins, un petit peu moins que le centre, hein, maximum de 30 cm, vraiment pas plus, je pense même 20 cm. Voilà, si je m'arrête là, ça c'est des choses que vous pouvez faire, vous les présentez d'abord à sec par terre, et puis vous regardez un petit peu au niveau des galbes ce que ça donne. Peut-être que le look d'après, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, j'ai fait un décalage moins que celui-ci. On va dire que cette piste-là, ça va être le maximum. Voilà, je viens de déterminer le maximum de décalage que j'allais mettre. Et après, je vais jouer dans cette largeur-là au niveau des décalages. Ça, ça va être mon maximum. Je vais la prendre au mètre. Puis je vais savoir à peu près, de visu, ça fait à peu près 30 cm. Hein. Pas plus. Avec grand format, vous avez plusieurs solutions au niveau du collage. Moi, je préfère toujours peigner à 10 mm et double en coller. Le double en collage favorise surtout l'accroche de la colle, il favorise le transfert de la colle. Plus un carreau va être grand, plus il va avoir des irrégularités, puisque je vous rappelle que les carreaux, ça passe dans un four et ils ne vont pas tous réagir de la même manière. Alors là, j'utilise des bases de 2 mm avec mon système de croision auto-nivelant, ce qui fait que je vais avoir des joints de 2 mm, forcément. Vous
Vous aurez beau avoir la meilleure carrelette qui existe, vous serez obligé de prendre la disqueuse pour certaines coupes. Et là, vraiment, j'insiste sur la manipulation de la disqueuse. Si vous regardez bien, j'utilise pratiquement toujours les deux mains. Ça permet de guider la disqueuse et ça permet d'être vraiment précis. La régularité lorsque vous allez peigner au sol, ça fait vraiment partie des points clés pour réussir la pose. Plus vous serez régulier, moins vous aurez de différence au niveau de votre colle et plus vous aurez une facilité à régler vos carreaux. Le coup de spatule entre chaque intersection des carreaux, lorsque vous allez poser votre base et ensuite votre tête à visser, ça peut faire remonter la colle et ça peut un petit peu vous salir les joints. On va bien glisser dessous après le coup de spatule. En fait, à chaque fois, je fonctionne par zone en fait. Je mets mes petites bases. Je fonctionne par peut-être 1 mètre carré, 2 mètres carrés. Et après, enfin, vu qu'on est sur des longueurs, ça fait facilement des mètres carrés. Et après, je revisse tout. Donc de faire à chaque fois au fur et à mesure une base vissée, une base vissée, je trouve que c'est plus pratique comme ça. Allez, double encollage encore. Alors un point intéressant que je vais aborder ici, c'est la prise des mesures. Là on est sur du grand format, c'est un petit peu compliqué à manipuler. Lorsqu'on est sur du 30-30, même sur du 45-45, on peut présenter les carreaux pour prendre les mesures. Là c'est un peu compliqué et en plus c'est des rectifiés, donc assez fragiles. Le moindre petit coup dans les angles, ça peut les brécher. Alors là, pas le choix, c'est avec le mètre. Alors je vais vous montrer ma méthode, elle est toute simple. J'ai donc 92, j'ai de la chance, je suis à chaque fois sur des choses rondes. Donc là, je suis à 92, je vais enlever 5 mm. Ben, je vais donc prendre une coupe à 91,5. Je pose avec des croisillons de 2 mm. Je vais enlever 2 mm pour l'espace de mon joint, plus 3 mm pour la dilatation entre mon carrelage et le mur. Là, j'avais 107 de mon carrelage jusqu'au mur. J'enlève 5 mm. 106,5. 106,5. Toujours le coup d'éponge, hein. Plus c'est propre, c'est plus c'est confort à travailler. Voilà, au moins, c'est plus propre. Bon, j'avais perdu mon cutter. Disqueuse, hein. Et alors moi, ce que j'utilise principalement, c'est un... Non mais voilà. Non mais je suis en pyjama, là, dessous, là. Mais non, mais c'est que le haut, normalement, là. Et lorsque vous avez fini une zone, carrelée, nettoyez un maximum. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de colle au sol, pratiquement. Et le bord de vos carreaux, il faut vraiment qu'il soit propre. Moi, j'utilise toujours une spatule. Et après, je mets toujours un coup d'éponge. Comme ça, le lendemain, je ne suis pas embêté par la colle. Et je vais glisser toutes mes bases pour être prêt pour le lendemain. Il faut penser à tout. Ça, c'est très important de le faire. Comme ça, demain, les croisillons sont déjà dans la colle. Ça permet de vraiment suivre la pose que nous avions faite la veille. C'est pas ce que j'ai voulu dire. On réessaye ? Toujours pas. Vous
allez vite vous en rendre compte, certaines coupes sont très compliquées à la carrelette. Du coup, il va falloir utiliser la disqueuse. Ce que je vous conseille aussi d'avoir, c'est une petite cale à poncer. Enlevez toutes les bases qui ont été posées et là, il faut un coup sec dans la longueur du joint pour enlever toutes les têtes. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de toutes les rassembler dans un coin. Toutes ces têtes, les têtes bleues, sont toutes réutilisables. Et maintenant, il va falloir faire propre. Et qui dit faire propre, eh ben dit aspirateur vraiment très minutieusement sur toute la zone à jointer. Bon, voilà le joint que je vais utiliser pour ce sol. Alors, c'est un joint souple pour support déformable. C'est vraiment un joint que j'utilise très très souvent. Ce qui est important, c'est la couleur aussi. J'ai choisi gris moyen. Parce que je veux vraiment que ce soit assez doux au niveau de l'œil. Je veux pas trop trancher avec la couleur du carrelage. Moi, je fonctionne toujours par petites zones entre 5 et 10 mètres carrés et je vais reculer ainsi jusqu'à finir ma pièce. Et ramassez toujours un maximum. Moins vous aurez de joints sur vos carreaux et moins vous aurez de difficultés à nettoyer. Une grande éponge striée, c'est vraiment ce qu'il y a de plus performant, je trouve. Pour avoir des belles finitions au niveau du joint, ça ramasse vraiment très très bien les joints. Franchement, on dirait vraiment du vrai bois. Trompe-l'œil est très très efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que là vous avez tout pour réussir votre pose en imitation bois, non? N'oubliez pas, vous avez aussi le site carreaututo.fr pour avoir toutes les informations possibles et inimaginables en relation avec les vidéos. Vous avez le code promo carreaututo sur tous les croisillons Tony Blanc et sur tout le site e-carreleur. Ça peut être de l'outillage, ça peut être du paint, ça peut être des truelles. Tout est fait pour que vous puissiez réussir et pour répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas à aller dans les descriptions de vidéos pour avoir les informations sur les vidéos. Vous allez avoir une suggestion des vidéos les plus pertinentes que j'ai publiées pour réussir la pose d'imitation bois. Ça a été un réel plaisir de partager ces deux vidéos avec vous. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis surtout, prenez soin de vous. C'est parti. Et en fin de vidéo...